un petit peu la suite de mes parents. On a une petite entreprise locale, on est là implanté sur Cannes-et-Mougins. On fabrique toute notre production, boulangerie, pâtisserie. On livre beaucoup d'hôtels du groupe Palace, des plages sur la Croisette. C'est Eric qui fait les tournées du matin. On organise la tournée, on organise en fonction un petit peu des arrivées, et puis je pense que la taille du client. Bon, c'est sûr que le Martinez, plus vite c'est livré, plus on est tranquille, puisque bah, ça représente beaucoup. Puis ensuite, eh ben, en fonction de l'emplacement où ils sont, on livre après. 5h30, 6h, on voit de tout. On voit ceux qui rentrent et puis ceux qui commencent. Donc bon, au festival, on voit beaucoup de ceux qui rentrent. Alors, ce ne sont pas toujours... très net, mais enfin, on fait avec, hein, on a l'habitude. Ça fait un moment qu'on fait, donc on a l'habitude. Cannes est une ville saisonnière quand même, mais il faut savoir qu'on travaille toute l'année quasiment, sauf le mois de novembre et le mois de février où c'est beaucoup plus calme. Enfin, on a vraiment tout le temps, toute l'année, quelque chose. Là, le festival, ça représente à peu près une augmentation de 30-35% du chiffre d'affaires là, sur 10 jours. En ce moment, moi, je rentre chez moi, il est 7h30, 8h le soir, et ce matin, je suis parti, il était 3h30. Je suis pas au Fournil, j'ai toute une équipe derrière, heureusement, hein. On est 42, donc c'est vrai que ça suit bien. Et on a commencé avec un petit magasin rue Ménadier, puis un deuxième ici, et puis ensuite, on a grossi au fur et à mesure, et puis après, se sont rattachés des livraisons, des rencontres, ce qui fait que bah, on a réussi après à grossir. Bah, Martinez, c'est une rencontre, hein. Je me suis trouvé au bon moment, au bon endroit, à l'accueil. On m'a présenté le nouveau directeur qui venait d'arriver et puis ça s'est fait comme ça. Il m'a dit on peut faire un essai, on veut bien essayer et puis bah, du coup ça fait maintenant mon 4e festival. On réalise tout pour eux, on y va 4 fois par jour. Donc on fait la livraison du matin pour le petit déjeuner, on y va pour livrer la pâtisserie quand il y a besoin, on fait le midi et la livraison du soir. C'est une belle maison, je pense que c'est l'un des plus beaux sur la Croisette. Et on est heureux de livrer Martinez.